en danger lors d'une épreuve éliminatoire de Top Chef, ce mercredi 19 avril 2023, Mathieu avoue penser beaucoup à son frère Jacques, éliminé quelques semaines plus tôt, pour rester motivé. Ils étaient arrivés à deux. Au début de la 14e saison de Top Chef, les téléspectateurs avaient pu découvrir que deux frères allaient tenter leur chance pour intégrer une brigade. Une première dans le fameux concours culinaire de M6. Ainsi, Mathieu avait rejoint les rangs de Glenneviel alors que Jacques avait lui reçu les manchettes violettes de Paul Perret. S'ils ont ainsi dû s'affronter à plusieurs reprises, la véritable difficulté a été de se séparer pour de bon lorsque le cadet a été éliminé, à l'issue de la 4e semaine de compétition. Mais le chef établi en Espagne accompagne toujours son grand frère en pensée. Mathieu en danger dans Top Chef, la seule chose qui me manque si est Jacques. Lors de l'épisode diffusé ce 19 avril 2023, Mathieu est en danger à son tour lors d'une épreuve éliminatoire. Je me sens un peu stressé, reconnaît franchement le participant d'une trentaine d'années. Mais le membre de l'équipe Orange a une astuce pour rester motivé, je vais essayer de ne pas me laisser abattre. Si est-il vrai qu'il faut que je me batte pour moi, maintenant. La seule chose qui me manque si est-il Jacques. La personne à qui je pense le plus quand je cuisine si est-il mon frère. Malheureusement il a été éliminé, mais je sais qu'il compte sur moi. En fin de compte, il me donne la force de ne jamais abandonner donc je vais me battre pour lui, a-t-il assuré, ajoutant avec humour, en plus, si je me fais éliminer un jour, après il va me saouler. Donc je me dis que je n'aille pas le droit à l'erreur. Mathieu, Top Chef, jaloux de son frère Jacques quand ils étaient enfants. Depuis l'élimination de Jacques, Mathieu évoque fréquemment son frère à l'antenne. La semaine passée, lors d'une épreuve consacrée aux desserts d'enfance, le candidat a partagé une amusante anecdote sur l'ambiance qui régnait dans sa fratrie lorsqu'il était jeune. Je me rappelle quand on était gosse, ma mère nous faisait à manger à tous, et elle avait toujours un plat différent pour Jacques. Nous, les grands frères, on l'engueulait en disant qu'il fallait qu'il mange un peu de tout. Jacques était un peu le protégé de la famille donc on était jaloux, avait-il confié. À lire aussi on était jaloux, Mathieu, Top Chef 2023, raconte ses souvenirs d'enfance avec son frère Jacques. I think you